derrière, elle ne voit plus personne et les flammes deviennent un écho qui résonne. Les montagnes sont noires, ravagées par le feu et la ville embrasée sera son dernier vœu. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Je suis arrivée avec une dizaine de textes. J'ai beaucoup travaillé du détail sur les textes. J'ai composé 2 chansons. Et la ville embrasée sera son dernier. Pourquoi je suis venue en répertoire? Parce que jusqu'à présent, mon travail était solitaire. Et les chansons que j'avais composées et écrites, je ne les avais pas encore confrontées à des professionnels. Donc je suis venue les montrer et échanger avec eux pour les améliorer. Ma problématique, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. La problématique du travail solitaire, donc de ne pas avoir de retour sur son travail encore. La problématique de l'ambiance générale des chansons, de la cohérence entre elles, puisque je suis venue pour montrer environ 13 titres et je ne sais pas si elles ont forcément une harmonie entre elles, ces chansons-là. Rien ne peut
plus. Je suis carrément satisfaite. Ouais, c'est le paradis. Déjà, de pouvoir s'isoler, c'est pas fréquent. Pouvoir s'isoler ici, c'est le paradis. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve que les intervenants sont vraiment formidables. Donc je sais pas d'où ça, si ça vient ça a matché particulièrement ou quoi, mais enfin pour moi c'était l'idéal quoi. D'arriver fragile, se sentir fragile, tout simplement parce que les chansons n'ont pas encore été confrontées à un public ou très peu, et de se sentir après une semaine de travail beaucoup plus confiante. Donc ça c'est pas rien. Les modules du matin, je pense que je vais en garder un que je vais m'appliquer à moi-même tous les jours. La page blanche, d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, au moins sur une page, voilà, une page blanche, bien chargée, voilà. Et de ne pas se donner de lignes, de directions, de vraiment sortir tout ce qui nous passe par la tête.